bonne idée de commencer par les sourds. Et donc, bon nombre de manifestations sont accessibles aux sourds. Certains en langue de signes et certains autres parce qu'il n'y a pas de parole. Et donc, nous travaillons sur ces sens-là, mais aussi l'odorat, le toucher et évidemment le goût. Donc, ce sont autant d'activités participatives pour que les parents passent la journée entière avec leurs enfants, non seulement en tant que spectateurs dans les différents théâtres, mais aussi dans le domaine, dans ce magnifique parc, en participant à ces manifestations que nous appelons découvertes.